Allez, je vous fais cadeau. Vous savez que je vous présente des humoristes nouveaux dans cette émission. Alors, je voudrais dire à tous mes amis corses que c'est de l'humour. C'est de l'humour, pace salut, vous savez comme je vous aime. Le monsieur en question a fait ce sketch en Corse plein de fois. Mais le sketch est très apprécié en Corse. Ah, le sketch est très apprécié, il s'appelle Tano, et tous ceux qui aiment les Corses vont se régaler. Tano, viens. Meru paisano vieru, giurna d'ante disgraziado. Angiula pure fantina di Ueran più bello fiore sinando quella mattina a Fassera. Je sens un truc dur là. J'aurais pas oublié une boule qui est. Oh, non. Dominique, mi. Ah, ah, monsieur, ça va. Ben, tu es en forme, ça va. Alors, oh, tu es venu avec ton petit neveu, hein? Quel âge il a, ce petit? Quel âge tu as? Ah bon? C'est pas un peu jeune, 8 ans et demi, pour avoir un fusil? C'est trop lourd, donne-lui un pistolet. Et il est où, Toussaint? Qu'est-ce qu'il fait? Il se cache, il est où? Oh, regarde-le. Oh, Toussaint, mi. Ah, ah, monsieur, ça va. Ben, tu es en forme, ça va. Oh, tu as des beaux souliers. Qu'est-ce que c'est tes souliers? Zara! Eh, c'est bien Zara. Tu vas voir, dans 2 semaines, tu as des sandales. Alors, tu es allé à la pêche? Non? Tu es allé à la chasse? Oui, alors, tu as attrapé quoi à la chasse? Un torticolis! Mais je t'ai dit 100 fois tout ça. Regarde, tu es comme ça. Regarde toute cette partie-là. Eh ben, il faut que tu sortes de la voiture. Oh, Dominique! Tu as acheté le caméscope? Le caméscope? La caméra? Elle est où? Oh, je ne l'avais pas vu, excuse-moi. Oh, et ben, c'est bon matériel, ça, qu'est-ce que c'est? Oh, et le point rouge, là, qu'est-ce que c'est? Il y a un point rouge. Ça file, tonton, mais qui sont cons? J'avais pas mis ma cagoule. Mais prévenez-moi, merde, bande de cons, de bracassés que vous êtes. Alors, le seul qui travaille ici, c'est moi, alors, c'est ça. Quoi? On me voit, oui, on me voit. Mais on ne me reconnaît pas. Bon, j'ai préparé la liste des revendications, mais avant, je vais faire un peu des vocalises pour m'éclaircir la voix. Comme un comédien, pareil. Combien sont ces 6 saucissons 6, ces 6 saucissons 6 sont 6 sous, 6 sous, ces 6 saucissons 6, c'est 6 sous trop cher. Le berger bourré bourre la brebis bredouille. Intiramenti, coi tiri in forciolo, con 4 capre. Toussaint, tu sais pourquoi on met la main comme ça quand on chante en Corse? C'est pour pas que l'autre à côté y copie, tu vois. Bon, faut que je fasse un visage un peu menaçant là pour la caméra. Pour Sarkozy là. Visage à quoi? Bruce Willis? Qui c'est ça, Bruce Willis? Brot Willis. Eh ouais, ben dis-le bien, on comprend pas ce que tu dis. Allez. Brot Willis. Monsieur Nicolas Sarkozy, nous voulons une usine automobile corse pour fabriquer nos propres 4x4 parce que nous voulons que nos 4x4 aillent plus vite que les 4x4 des continentaux. Parce qu'on veut pas qu'on nous double. Nous fabriquerons aussi quelques Ferrari, mais nous on l'appellera la Simonetti. En mémoire de Simon de Digliara qui remporta le Tour de Corse 2004 grâce à ses talents exceptionnels de pilote, sa 4L et son Magnum 44. Monsieur Sarkozy, nous voulons l'indépendance, nous voulons de l'argent sur nos comptes, nous voulons l'immunité diplomatique, bref, nous voulons vivre dans notre île et être monégasque. Monsieur Nicolas Sarkozy, en ce qui concerne les vagabonds, c'est-à-dire le pauvre que ce soit cette merde. Oh, Toussaint, change la sonnerie du portable. Pas possible, ça. Je disais donc, avant qu'on appelle le gros débile,
en ce qui concerne les vagabonds, c'est-à-dire les réfugiés, que vous, M. Sarkozy, comme ça, vous appelez vulgairement dans les médias, les touristes. Nous rappelons à ces bagnards estivaux qui n'ont en aucun cas le droit de construire quoi que ce soit sur notre île, y compris des pâtés de sable sur nos plages. Nous les ferons sauter, pâtés de sable, avec des petites bombes, des bombinettes. Nous sommes des fous, Sarkozy. La Zoom, la serre, il va se chier dessus, là. Et n'oubliez jamais ce proverbe corse. Quiconque insulte notre peuple, un. Voilà, si vous avez des questions, vous pouvez nous joindre sur la version corse Facebook qui s'appelle Cagoulebook. Alors, tu as reçu un texto. Monsieur Sarkozy, dans l'attente d'une réponse positive et surtout rapide, veuillez croire en mes sincères salutations. Et dans l'attente d'une réponse négative, veuillez croire en mes sincères condoléances. Voilà. Alors, c'est bon, hein? Ça va, j'étais bon, c'est bien. Alors, quoi? Qu'est-ce que tu dis? Tu plaisantes? Mais que tu es con! Eh ben, vas-y maintenant, va acheter une cassette, vas-y, cours! Il s'appelle Tano! Ah, c'est bien. C'est pas sans risque, mais c'est bien. Tano, comédien, hein? Viens vite t'asseoir. Viens vite t'asseoir. Ça a été impeccable. Ça a été impeccable. Les bruitages sont partis au bon moment et tout. C'était super, hein? Ah, c'est des pros. Mais dis donc, alors nous on passe le sketch parce qu'on passe tout et puis ça nous fait rire. Tu l'as joué en Corse, ça? Oui. Parce que la première question que je me suis posée en voyant ça, je me suis dit, mais comment ils vont le prendre, les Corses? Déjà à la base, bon, je suis Corse, ma mère est Corse. Donc avant tout, ma famille l'avait vu, mes amis au village, tout ça. Ouais. Et la première fois que j'ai joué, bon, c'était un peu flippant, mais ça s'est très très bien passé. J'ai gagné un festival là-bas avec ça. En Corse. Après, j'ai rejoué, ouais. Et donc ça s'est. Tout va bien. Ouais. La grande majorité des gens le prennent très très bien. La grande majorité. Le prennent très très bien. Voilà. Alors Tano. Ça c'est le spectacle. Vas-y. Voilà, Tano au Petit Palais des Glaces. Petit Palais des Glaces. En ce moment, voilà, c'est du mardi au samedi. Et au départ, tu es musicien. Musicien, saltimbanque. Saltimbanque. Moi je suis saltin, ma mère c'est la banque. Voilà, d'accord. Ça. Déjà, je suis sûr que tu as une belle carrière dans l'humour et je voudrais que les caméras se resserrent. Je crois que si j'étais metteur en scène de cinéma quand même, j'irais faire un petit tour et je te ferais faire des trucs parce que tu as quelque chose. Je trouve qu'il y a une présence. Gentil, merci. Il y a une vraie présence. Et vous aussi, vous avez. Non, sérieux. Merci beaucoup. Ça me touche beaucoup. Sérieux. Bah, merci. Je suis sûr qu'on te retrouvera sur l'autre écran, le grand. Le grand. Mais je sais même plus où on en est parce que je suis tout bouleversé. Ah, on va